Hey, 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. On le commence comme on l'avait quitté avec Mamie Jo, Jojo, qui regarde les étoiles à côté de la tombe de son mari et de son fils, puisque Jojo, elle va claquer quoi. Elle va pas tarder. Je croyais qu'elle allait vraiment le faire à l'épisode précédent, mais ce n'est pas le cas. Donc, à mon avis, bon, hein, on va pas se précipiter, mais ça va vraiment, je pense, pas tarder. Du tout. On n'a qu'à regarder. Elle clignote, donc c'est incessamment sous peu, quoi. Alors, tu vas prendre personne dans les bras. D'ailleurs, pourquoi tout le monde est debout? Non, 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 les gens, vous. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez vous coucher. J'ai relooké la petite Irène. J'ai pas changé sa coupe de cheveux qu'elle a eue quand elle a grandi. Mais j'ai juste refait des vêtements. Tu vas aller, dodo. Toi. Oh, trop chaud. Tu vas au dodo. Toi aussi. Tu vas au dodo. Il est 3 h du matin, les enfants, là. Allez au lit, quand même. Voilà. Tout le monde au lit. Hop, les petits proutes, là, les petits machins. Tout le monde au lit. Germaine, ça vaut pour toi. Ah, punaise. Ah, ce camé, ça m'agace. Oh, bah, Mamie Jo, elle a préféré se retourner se coucher. Alors toi, dormir, c'est dans le lit, c'est pas les bambins. Arrêtez avec les bambins. Dormir, ce n'est pas les bambins. Dites-moi si vous avez ce bug là aussi, quand vous cliquez sur automatique sur dormir, ça vous met une action avec un bambin. À un moment donné, c'est plus possible, quoi. Oh oh, c'est le début des emmerdes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu vas rien réveiller du tout! Oh, on va faire une sieste, Gisèle. Ça suffit maintenant. Et elle pleure dans son lit. Ok. Bah écoute. Vas-y, pleure, pleure, pleure autant que tu peux, si ça te fait du bien. Péter. Non, tu viens de pas péter quand même, hein, ça le fait pas. Et elle dort, mais elle est joueuse. C'est normal. Oh, il neige! Il neige sur notre maison blanche. Regardez comme c'est beau. Waouh, on est le printemps, on est le jour 4 quand même, il fait frais. Neige, douceur et éclaircie. Ok, très bien. Oh, bah, ce qui se concerne Marguerite, l'accouchement, ça va pas tarder, tarder. Ah ouais. On va y être, on va y être, c'est bien. J'espère que ce sera un petit gars. Hein. Ah, et puis alors, il y a la lessive, ça va pas du tout. Joe, faudra que tu fasses la lessive avant que tu. Oh, c'est cassé ici. Super. Avant que tout ça, hein, bon, voilà, avant que ce soit le bordel. Simone part à l'école. Ah, très bien. Elle est triste par contre. Faire le minimum. Ok, le courrier est distribué. On est mercredi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle est chiante. Ah, mon Dieu! Eh ben voilà. On y était. On y est. On y est. On y est. Joséphine s'éteint. De bon matin. Alors, je veux surtout pas qu'ils assistent à la mort. Hein, donc, va falloir faire en sorte que. Voilà. Oh là là, voilà, fallait bien une fin. Mes fondateurs sont maintenant décédés. Elle est triste de mourir, peut-être. Mais voilà, la fin de nos. Toi, tu vas prendre un bain et tu vas manger. La fin de nos fondateurs a sonné. Toi, tu vas manger et tu vas aux toilettes. Vous assistez que dalle à la mort, hein. Vous êtes loin de. Vous savez pas ce qui se passe. Ah bah viens de la salle de bain! The death, the mort. Oui, excusez-moi, il faut que je convoie quelque chose quand même. C'est un moment important dans le Decade, hein, c'est. Voilà. La fondatrice nous quitte. Pour l'instant, il n'y a personne qui vient. Attention. La faucheuse va faucher. Allez, faucheuse, fais ton sale boulot! Hop là! Joséphine n'est plus. En ce mercredi matin, au bout de 105 ou 106 jours de vie. Rest in peace! Et voilà.
Joséphine a rejoint son mari et son fils au bout du jardin. Oh, et une petite musique qui va bien, tout va bien. Donc Joséphine, elle est en rose, à côté c'est Pierre Nard, et après il y a le petit écart pour Arthur. Voilà! Nos morts commencent à devenir légion. Tiens ma petite Marguerite, et c'est la seule qui va bien, ma famille, tu vas manger une carotte, hein? Là, on peut récolter, je crois. Récolter les carottes. Allez, tu vas me récolter ça et tu vas m'en manger quelques-unes parce que vu que tu accouches dans pas longtemps. Faudrait pas qu'on se loupe là. Ah, mon petit Albert. La tristesse, bah oui. J'ai entendu ta récente amitié. Alors, effectivement, j'ai looké aussi Louise. Hein. Eh oui, tout le monde se met à la mode des années 20 avec les cheveux courts. Hein. Bon, ma petite. Tu vas appeler Paul Allen. Voilà, tu vas être consolée auprès de lui. Vous allez commencer à vous mettre ensemble, quoi. Puis il faut que je te lance dans le boulot aussi, dans une carrière de chef. Je sais pas si c'est autorisé. Autorisation. Non, pas pour les hommes, pour les femmes. Cuisine, médecine, art. Bon, bah nickel. Elle pourra se lancer dans le métier de la cuisine. Ça y est, t'as récolté les carottes? Mon Dieu, mais il y en a combien là-dedans? Tu vas m'en manger encore deux autres. Manger carottes. Manger carottes. Là, normalement, c'est bon, hein. Le garçon, c'est sûr, hein. Un petit de Saint-Paul, hein. Tu me fais un petit blond, s'il te plaît, hein? Hein? Tu seras une amour. Allez. Il est en forme, Paul Allan, aujourd'hui, j'ai l'impression. Ah, il va se passer. Il se passe des choses. Oh, mais normalement, ça a lieu de le faire, hein, dis donc. Ce serait pas un peu une lopette? Avouer son attirance. Ouais, j'aimerais bien lui faire faire crac-crac, mais. Je suis pas sûre que c'est autorisé à l'époque. Voilà, on va lasser, et puis tu vas lui faire des bisous, ce sera déjà pas mal. Demander d'être son petit ami, c'est déjà une étape en plus. Voilà. Discuter son intérêt. Et voilà, ils sont petits amis. Attention! C'est un méga vent. Oh la vache. Bah tu sais quoi mec, t'excuser mais il veut peut-être pas s'engager lui d'ailleurs. Il me fait des bisous mais il veut pas s'engager. C'est une blague. Attends, c'est quoi c'est joyeux, bienveillant, d'accord. Mais peut-être qu'il ne veut pas s'engager, ça je ne sais pas. Bon bah ça s'appelle un vent, Germaine, hein. Je suis désolée pour toi. Là ça craint à mort, mais je suis franchement, je m'y attendais pas, celle-là. J'ai eu très rarement des refus dans les Sims au moment d'un mariage, mais bon, ça existe apparemment. Oh! La composition elle est pourrite, il y a des mouches et tout. Ah bah zut alors. Oh bah zut alors, tiens, tu peux jeter ma petite, s'il te plaît. Quel talent! Mettre une ambiance endiablée. Allez, tu vas nous faire ça après. On va savoir ce que ça donne, mais. Albert, le talent, quoi. Vous voyez, moi, je danserais bien là-dessus, hein. Attention. Hein. C'est pas parce que c'est mon Sims, hein. Non, non. Waouh! Alors là, par contre. Je confirme, c'est ambiance endiablée, là. Mazette! J'adore! Il a l'air trop dans son trip en plus. Bravo Albert! Oh là là là! Il peut pas gagner sa vie comme ça, composer un morceau.
Par contre, il a pas fait. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça va mieux, Albert, hein. La musique adoucit les mœurs, comme on dit, hein. Oh my God! Marguerite! C'est pas possible! T'es une grosse dégueulasse! Oh! Faut prendre un bain après. Franchement, là, ça va plus, hein. T'es une grosse dégueu, t'as pas su te retenir ta petite vessie, là. Regarde, ta fille, elle va marcher dans la piste bientôt. Quel exemple tu donnes à tes enfants? Franchement, bravo, hein. Bravo. Elle a tellement honte qu'elle se cache dans son autre bain, du bain. Tu m'étonnes en même temps. Bon, t'as une circonstance atténuante, t'as un bide énorme, mais quand même, quoi. Ouais. Non, franchement, non, quoi. Pas devant tes enfants, c'est honteux, c'est honteux. Ah, compatible avec le très responsable pour Simone. Moi, je me lasse pas du talent d'Albert quand même. Hein. Mais encore là, il est triste, hein. Il est très triste même. Hein. Oh. On compose un morceau et c'est très joli. Il devrait jouer devant les gens, hein? Mais bon. Voilà. C'est à faire, elle. Elle va jeter le pot de fleurs qui est pourri. Voilà, bien raison. Il est toujours à la composition de son morceau. Je pense que, vu l'heure, je vais le laisser quand même. Ouais, mon pauvre, hein, dis donc, Albert, ça a été dur aujourd'hui, hein. T'as perdu ta maman ce matin. Ouais. Et elle, bah, elle fait la bouffe, quoi, pour son taf. Ah bah voilà, bah super. Bah, comme ça, elle aura fait ce qu'il faut et elle travaille à quelle heure? Dans 2 jours. D'accord, donc elle commence déjà pas le. Ok, bah écoutez, hein, tant mieux pour elle, hein. Ah! Toi! Ah ouais, t'es toujours embarrassée. Va pisser tout de suite pendant que tu y es, parce que là, voudrait pas qu'il y ait d'autres catastrophes, hein? Hein, Marguerite? Ah, le bide qu'elle a, mais mon Dieu, quoi, on dirait un ballon de foot, le truc. Qu'est Oh là là, celle-là, qu'est-ce qu'elle veut? Hé, je suis en colère! Dors! Tiens, non, avant de dormir, tu sais quoi, tu vas aller sur le pot un peu. Puis après, tu vas dormir. Voilà, ça, tu. Tu nous emmèneras moins, Irène! Toi, qu'est-ce que tu fais? Regardez. Tu vas regarder quoi? T'es bête ou quoi? Non, non, tu. Je sais pas. De discuter avec ton mari, tiens un peu. Oh, il y a un truc qui fuit. Oh, ça m'agace. Hop, remplacer. Non, mais quand même. Au bout d'un moment, c'est plus possible, hein. Discuter de la tristesse. Réconforter le parent. Bah, oui, d'accord. On lui dire, oui, moi aussi j'ai perdu ma mère hier, mais donc t'as pas besoin d'être triste. Moi je vais très bien, ta mère, je vivais avec, mais je m'en foutais en fait. Elle prenait de la place, maintenant on a une place en plus, quoi. C'est bien. Ouais, et puis Germaine, t'es pas grave, elle va peut-être pas se marier, elle n'est pas obligation de se marier pour partir. Donc elle partira avec Paul Allen sans se marier, mais je ferai ça pour l'épisode prochain, tranquillement. Tant pis, il y aura pas de mariage cette fois-ci. Ça peut arriver, hein. Bon, bah, je sais pas, elle veut pas nous faire le bébé, Marguerite, là. Quand est-ce que tu mets pas? Parce que là, bon, elle va se coucher. Voilà. Voilà, et tout le monde dort, a priori. Ah non! Qui c'est qui est là? C'est Pierre-Nard. Pierre-Nard, ta femme, elle est plus là, hein. T'es pas obligé de revenir, on va te libérer, peut-être. Parce que bon. Si tu viens nous rendre visite tout le temps, mais elle est plus là, elle est plus là pour t'accueillir. Hein. D'accord. Il fait le ménage, au moins c'est sympa, ça change des fantômes qui cassent tout. Hein. Pierre-Nard, il sait que c'est sa maison, donc il se dit pas, oh, bah je vais tout casser, voilà. Il reste chez lui quoi. Ouais, il fait même des pompes encore, et donc quelle santé. Hein. Bon bah, Marguerite, on attendait que tu mettes bas, ce qui n'est pas le cas. On est triste alors. Bah moi je vais vous quitter là-dessus, hein? Sauf si ça se déclenche, et ben tant pis, moi je vais vous quitter là-dessus pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit message, vous savez que j'y réponds tout le temps, ou à vous abonner. Moi ça me fait hyper plaisir, vraiment beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très bientôt pour la suite du Decades Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!